Bien le bonjour, Madame Terry. Ça pousse. Bonjour madame, vous voulez que je vous dépose le sac dans la cuisine? Mais pourquoi vous toquez? J'ai mis l'argent sur l'escalier. Et la monnaie? Sur l'escalier. Bonjour, grand-maman Colette. Appelle-moi Colette. Qu'est-ce que tu fais sur mon perron, là? J'ai reçu ta lettre pour mes 18 ans. Et ben, je me suis dit que j'allais venir te voir. Tu sais, vu qu'on ne se connaît pas, ou plus. Enfin, tu répondais pas au téléphone, alors voilà. Ah, y a rien à voir. Allez, retourne chez toi. Mais grand-maman, j'ai fait 5 heures de train, je vais pas rentrer maintenant. Je peux au moins dormir cette nuit? Tu prendras le premier train demain matin. Tu me laisses entrer? Je dors où? Canapé. T'as pas de chambre d'amis? J'aime pas les amis. Bah t'as une couette au moins. Sinon, la vie, ça va? Tu t'en sors? T'en as fait quoi de la chambre de maman? Mon bureau. Enfin! Thank you.
C'est quoi ça, Colette? T'as fouillé dans mes affaires? C'est pas la question. Ça te regarde pas? 2 ans de retard sur tes factures? 4 rappels pour les impôts de l'année passée? T'es dans le rouge? Ta banque te harcèle? Tu dois rembourser tous tes crédits et tout ça pour des putains de cartes à gratter? Mêle-toi de tes bottes. Justement, c'est moi qui vais récolter la tempête quand tu mourras. Égoïste, toi. Quoi? Toi? Toi, tu oses me dire ça? Alors que je viens te rendre visite pour te faire plaisir après 10 ans? T'étais super désagréable avec moi, tu penses que je vais être un sucre avec toi? Mais je comprends pourquoi maman elle est partie à 400 bornes d'ici. T'es juste une putain d'asociale endettée! Tu vas où? Je vais voir tes amis parce que j'en ai, moi. Pas besoin de ton aide. Je sais, ta respiration en dit long. T'as pas un train à prendre, toi? Si, mais d'abord tu dois rembourser tes dettes. Et qui te dit que j'ai besoin de ton aide pour ça? Ta pile de factures. Tu te prends pour qui? Un Saint-Bernard? Ok, alors je m'installe dans la chambre de ma mère. Ah non, hein? Pas ça. D'ailleurs, je pense qu'il faudrait qu'on établisse un horaire pour la salle de bain. Parce qu'en général, je mets minimum 1 heure pour me changer. Donc du coup, ce sera embêtant qu'on y soit ensemble, et pour la douche, c'est à peu près pareil. Mais on fait ça vite. Hein. Marché conclu. On pourrait vendre tes meubles? Jamais. Ils vont de toute façon te les saisir si tu continues. Alors tes légumes? Faudra arrêter de manger pour ces cons. Bonjour mesdames. Bonjour. Eh bien madame Terry, vous avez de la visite aujourd'hui? T'es vraiment mal poli, hein? Une vieille queen. Mais non. Mais Colette, mais qu'est-ce que tu fais avec de la weed dans ton jardin? La quoi? Mais c'est du chanvre pour mon teuf. Oh, mais qu'est-ce qu'on est con! Tu deviens folle ou bien? Mais non, mais c'est la solution! Folle comme ta mère. Non, mais tu comprends rien. On va la vendre, ta beuh, Colette. Ah non, alors, hein? Pas ça, les légumes, d'accord, mais alors pas mon herbe, pas mon thé. Bon, bah très bien, très bien. Va vendre tes légumes à 10 balles le gramme. Mais ça risque de faire cher le céleri, hein. Et je risque de squatter un bon moment à ce rythme-là. Tisane ou joint? Non! Et tu fais sécher toute la plante? Ben oui. Feuilles, c'est pour la tisane. Les tiges... c'est la paille. Et les têtes? Prends plutôt celui-là. Hein? Il n'y a pas de géolocalisation dessus. Tiens. Tu me prenais vraiment pour une truffe. Hein? Madame Terry, mademoiselle, bonne journée. Qu'est-ce que t'as contre Paulet? Il a une gueule de flic.
vas-y, continue, fais comme si j'étais pas là. Viens, on sort. Je ne sais pas ça, non. Je suis fatiguée. Ça fait combien de temps que t'es pas sortie de chez toi? Mais s'il te plaît, Colette. Dis-moi. Allez, viens, Colette. Non, tu veux me tuer ou... Comme si un peu d'eau pouvait suffire. Colette, on a réussi à tout rembourser.